Bonjour, chers amis. Alors, avant d'aller en Sibérie pour savoir ce que l'on pense de M. Macron après ses déclarations tonitruantes, j'aimerais vous demander si vous avez envie de témoigner, de me contacter sur mon site web philippebuffon.org, que nous puissions enregistrer une conversation sur Zoom. Bon, la parole à François maintenant. Au revoir. Vous habitez où? Bon, j'habite à Barnaoul, en Sibérie du sud-ouest. Donc il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la mer, il n'y a rien. On a 3 000 km de la mer et on est à peu près à la hauteur d'Oslo, donc on est au sud-ouest, mais bien au nord. Alors oui, c'est la Sibérie, mais bon, c'est pas comme en Yakoutie. Ici, on arrive en janvier, c'est les températures les plus froides, c'est moins 30, moins 40. Ah oui, dur, En non? fait, alors pour un Français, dit comme ça, oui, mais c'est un froid qui est sec. Et quand il fait moins 30, moins 40, il fait soleil. C'est assez paradoxal, mais on sent la chaleur du soleil. Vous êtes habillé, vous avez un blouson noir, vous sentez la chaleur. Là, je suis en polo, je sors comme ça, avec juste un blouson, des gants, un bonnet. Et voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est être hermétique. Ne pas laisser Comment? rentrer le froid dans vos vêtements, et vous n'avez pas froid. De la neige, je suppose, non? Énormément. De la glace? Oui, la glace, ben, surtout on a avec les changements climatiques, on a quelques soucis, surtout cette année. Il y a des variations sur les pressions atmosphériques. Ça arrive des fois une journée, on a de très forts vents, de tempêtes, dû à ces changements de pression. Et on passe par exemple de moins 20 le matin à plus 5 en milieu de journée, et on redescend à moins 20 en soirée. Et donc à plus 5, vous avez avec du vent, ça fait un effet un peu sèche-cheveux, ça fait fondre la neige. Et comme ça repasse immédiatement à moins 20, ça vous fait une belle patinoire en sortant de chez vous et vous ne pouvez rien faire. À moins 20, vous ne pouvez même pas saler parce que le sel n'a plus d'effet en dessous de moins 18. Alors, vous êtes marié, vous, à une Russe, je crois. Oui, je suis marié à une Russe. Disons que quand j'étais en France encore, je travaillais avec la. Bon, j'avais des sociétés en Ukraine aussi. Et je voyageais beaucoup en Russie. Et bon, forcément, en voyage, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. Dans une région qui est avec les montagnes de l'Altaï, on est à la frontière avec la Mongolie, le Kazakhstan et la Chine, à 300 km. Et la chaîne de montagnes de l'Altaï, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, parce qu'on y trouve des gravures rupestres. C'est une région qui est aussi qui est surnommée la région aux 1 000 lacs et 1 000 rivières, parce que bon, vous avez la source de l'Ob, qui est l'un des plus grands fleuves au monde, et vous avez des lacs et des rivières partout. Alors, vous avez des lacs salés, roses, vous avez des lacs d'eau douce, des lacs d'eau chaude. C'est assez fabuleux. Et c'est la nature, en fait. C'est une petite région, mais qui fait le quart de la France et qui est très peuplée. C'est très agricole. Vous avez beaucoup d'animaux sauvages dans les montagnes, et les panthères des neiges. Je veux dire, dans mon jardin, dans mon ancienne maison, j'habitais à côté, il y avait beaucoup d'arbres. Vous avez toutes sortes, vous avez des écureuils gris, des écureuils volants, vous avez des tarentules, vous avez des hérissons, vous avez des faucons, vous êtes vraiment, c'est la nature. En forêt, si dans certaines forêts, vous pouvez rencontrer des ours. Il y a à peu près 300 000 ours en Sibérie. Ce n'est pas un animal en voie de disparition ici. Voilà, c'est la nature. Tout est grandiose aussi. Voilà, on est dans une ville, Barnaoul. Bon, vous avez le fleuve Ob d'un côté. On est au tout début, hein, du fleuve Ob. Il prend sa source pas très loin. Mais il est déjà énorme, plus grand, plus large que le Rhône ou le Rhin. Vous le traversez en camion en hiver parce que la couche de glace fait plus d'un mètre. Vous avez une forêt aussi qui démarre, qui va se terminer au Kazakhstan, et cette forêt, elle fait plus de 500 km de long et 32 km de large. Vous pouvez vous balader sans problème pendant 500 km si vous voulez, hein. Et vous rencontrerez peu de monde. Est-ce que le regard des Russes n'a pas changé depuis que que notre président a commencé ses grands discours, hein, il y a 3 jours? Alors, par rapport à nous, les immigrés, non. Les Russes, en fait, ont vraiment cette capacité d'accueillir les étrangers. Même après 10 ans, vous êtes un étranger, ils font très attention à vous. Ils sont,
quand je vais au restaurant, quand je suis en taxi, c'est ils n'ont pas le même comportement qu'avec les Russes, en fait. Or, soit, comme ça fait 10 ans, ils pensent que je suis russe, après, quand ils savent que je suis français, ça change. On voit tout de suite le changement. Ils font très attention, ils sont contents d'être avec vous. Même ce qui se passe, déjà, que vous soyez aujourd'hui en Russie, avec ce qui se passe en Ukraine, ils sont étonnés que vous ne soyez pas parti. Mais pourquoi bah, alors, je leur explique que moi, c'est pas, je suis ici, j'aime ce pays et il n'y a pas de raison que je parte. J'ai été bien accueilli ici, pourquoi je le quitterais aujourd'hui? Et donc, pas de problème par rapport aux Russes et Aucun problème. C'est pas de rien problème changé. par rapport à la France. En disant que je suis ici, c'est toujours pareil. Ils Et font très attention à ce que dit Macron et ce que sont les Français. C'est pour eux, c'est différent. En fait, Macron, ils ont donné. J'ai vu un surnom passer. Il faudrait que je m'en souvienne. En fait, c'est un peu le petit Zelensky. Ils ont donné un surnom comme c'était un peu le petit Zelensky. Parce que pour eux, il est pareil. Et c'est vrai, bon, il y a eu cette affaire du fameux sweatshirt des forces spéciales françaises. Ça a fait rire, ça a fait beaucoup rire ici, parce que les gens disent prend pour Zelensky. Donc il appelle le petit Zelensky, Macron. Oui, il devrait se mettre en kaki en ce moment. Ben voilà, là il est parti pour, hein, c'est un peu ça. Comme il est narcissique, il rêve d'être Zelensky et de naviguer à travers le monde et se faire applaudir par les députés un peu partout, d'intervenir pendant les Oscars, tout ça, je pense que c'est son rêve. Hein. Et la télévision russe, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, c'est. Vous la regardez ou pas? Oui, je la regarde, je suis l'actualité. Bon, je suis sur les canaux Telegram, je reçois donc toutes les actualités. Je suis en actualité régionale, parce que bon, comme la Russie, c'est grand, chaque région a vraiment son actualité spécifique. En fait, on est beaucoup moins bassiné. Je regarde aussi les actualités françaises. Hein. On nous parle beaucoup moins de ça. On nous en parle. On sait très bien qu'il y a des morts. Les gens en parlent. On sait très bien un tel est mort au combat. Là, c'est annoncé. Hein. C'est pas secret. Mais on a beaucoup moins d'intervention de Poutine, d'une manière générale, intervient beaucoup moins à la télé. Pareil pour les ministres. On les voit beaucoup moins à la télé. En général, il y a un communiqué, c'est annoncé. Ils sont moins friands ici des conférences de presse qu'en France. En France, dès qu'il y a un truc, c'est conférence de presse, après on fait une réunion, reconférence de presse. Et sinon, il y a un truc, ils font un communiqué, on apprend, ils vont décider ça. Pas de réunion, rien, c'est décidé. Les choses sont décidées en une semaine, alors qu'en France, il faut des mois, quoi. Vous savez qu'en France, on le voit beaucoup, Poutine. Oui, mais ça, je sais, je vois Pour dans les actualités. LCI et compagnie, on le voit vraiment beaucoup, hein. En fait, j'ai l'impression quand je regarde les actualités en France, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde, en fait. Que je suis dans une Russie, dans une autre dimension. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on entend à la télé. Hein. Il y a tout qui est exagéré. En fait, quand on vous dit qu'il y a une manifestation où les gens sont arrêtés, les gens s'imaginent qu'ils vont en prison. Non, ce n'est pas le cas. En fait, quand vous êtes arrêté en Russie, si vous ne résistez pas, on va juste la première fois, on prend votre identité. Et on vous relâche. C'est en général au bout d'une heure, vous êtes relâché. Si c'est récidive, vous avez une amende. Si vous avez insulté la police, vous avez été violent, alors là, oui, vous allez aller au poste et vous risquez de passer au tribunal. Si vous êtes l'organisateur d'une manifestation non autorisée, oui, là, vous allez au tribunal. Mais c'est comme en France. Si vous faites une Exactement. manifestation qui n'est pas autorisée, vous allez au tribunal. Si vous êtes violent, pareil, vous risquez quelque chose. C'est puni pénalement. Il n'y a rien de différent. Et je me permets une petite anecdote au sujet de ces manifestations. C'était en mars 2022. Ce que je vais dire est vérifiable sur Internet. Il y a toujours les traces. C'est les médias français ont parlé d'une manifestation anti-guerre à Saint-Pétersbourg. Et une dame de 77 ans a arrêté une survivante du siège de Leningrad. Moi, j'ai tiqué 77 ans, siège de Leningrad, je me dis qu'il y a un problème. Et je recherche les infos sur cette dame. Elle est née en novembre 1945, donc déjà elle avait 76 ans. Novembre 1945, la guerre était finie, même dans le Pacifique. Oui, bien sûr. Et le siège de Leningrad a fini en janvier 1944. Donc ces gens ont menti. En plus, ils disent qu'elle a été arrêtée. C'est aussi un mensonge qui est vérifiable parce que les médias anglo-saxons ont interviewé cette dame une fois que les policiers l'ont reconduite gentiment derrière les barrières. Pourquoi ils l'ont reconduite derrière les barrières? Parce qu'une dame de 77 ans dans une manifestation, si ça tourne mal, qu'est-ce qui lui arrive?
Si elle est renversée quelque chose, elle va être blessée. Donc, c'est pour sa protection qu'il en est derrière les barrières. Et les médias font ça, ils prennent des images, mais en font une toute autre interprétation. Là, je voyais pour l'enterrement de Navalny, il y avait les images de l'AFP. En fait, il faut se dire que les journalistes passent la journée à côté, ils attendent l'incident. Dès qu'il y a l'incident, on les voit tous se précipiter sur les policiers, filmer, et c'est ce qu'ils vont vous montrer à la télé. Alors que c'est un événement isolé. Quand on vous parle de 150 arrestations en Russie, la Russie, c'est 150 millions de personnes. Je suis dans une petite ville, la 22e ville de Russie, c'est 650 000 habitants. Et c'est la 22e ville de Russie. Donc c'est plus grand que Lyon, hors métropole. Donc en fait, il faut s'imaginer 150 personnes, c'est rien. Et c'est pas aussi horrible que c'est. En fait, les gens me disent, c'est horrible, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas manifester librement, etc. Moi, je suis désolé, je ne suis pas quelqu'un qui manifeste. Quand je suis né, je ne me suis pas dit, quand je vais être majeur, je vais être manifestant professionnel ou gréviste professionnel. Mon but, c'est de vivre, de vivre de mon travail, de vivre correctement, et c'est ce qu'on m'offre ici. La vision est tout à fait différente. Les gens pensent ici, ouais, c'est une dictature, c'est dur. Ils vont passer leurs vacances, 15 jours de vacances à Phuket en Thaïlande. La Thaïlande, c'est une dictature militaire. Les opposants sont mis en prison. Si vous critiquez le roi, vous pareil. Au Maroc, si vous critiquez la famille royale, vous risquez aussi la prison. Les gens, il y a beaucoup de pays dans le monde comme ça. Ah, moi je peux vous le dire, hein, la Thaïlande, c'est pas un pays extraordinaire, hein, loin de là, hein. J'en suis persuadé, mais les gens ne savent pas. C'est parce qu'on leur donne une image positive dans les médias. En fait, les médias tournent les choses pour penser que c'est négatif. Ce pays est horrible. Ouais, François, moi je suis interdit de séjour en Thaïlande. Et j'ai 74 ans, je suis toujours interdit de séjour. Ici, on a Mais une alors, jour. comment le peuple russe voit-il Navani, par exemple? Je dirais, c'est comme en France, comment les gens voient Mélenchon. Navalny, les gens ne sont pas dupes ici. Ils savent qui est Navalny. Ceux qui ont vécu les années 90, ils savent que durant les années 90, c'était un escroc, qu'avec son frère, ils ont fait du trafic de bois, ils ont fait du racket sur des sociétés. Ils savent que c'est un raciste. Il y a des spots TV où on le voit comparer les étrangers d'Ouzbékistan, de Tadjikistan, de Géorgie, et même les Russes du Caucase, les Tchétchènes, il les compare à des animaux nuisibles qu'il faut exterminer. Oui, des cafards. Voilà. Et c'est le personnage. Et après, il s'est excusé de tout ça, mais il s'est excusé de tout ça quand forcément il y a quelqu'un qui est venu le voir pour enrôler le rôle d'opposant. Il faut savoir que, bizarrement, tous les opposants qui font des manifestations, que ce soit en Ukraine, en Biélorussie, tout ça, c'est des extrémistes, enfin, des ultra-extrémistes, des ultra-nationalistes, qui sont racistes, néo-nazis ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui n'hésitent pas à déclencher les conflits. Qu'est-ce que vous faites exactement là-bas? Enfin. Alors, je suis arrivé, j'essaie de faire une courte histoire, je suis arrivé il y a 10 ans ici, bon, suite à ce qui s'est passé en Ukraine. Il faut savoir, les nouveaux qui sont arrivés, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont changé tous les gouverneurs, les chefs de police, etc. Et les nouveaux qui sont arrivés, ils ne savaient pas pour combien de temps ils étaient là, donc ils ont voulu faire de l'argent rapidement. Ils sont venus faire du racket dans les sociétés. Et ça devenait. Et ce n'était pas un, hein, c'était tous, donc c'était intenable. Donc je dis à mes salariés, je ne peux pas, parce que je ne gagne plus d'argent. Ça va me coûter, il va falloir que je paye pour avoir du travail ici. Donc j'ai fermé mes sociétés en Ukraine. En France, c'était devenu pénible de créer des sociétés. Bon, moi, j'ai l'habitude de créer des sociétés et de les revendre une fois qu'elles sont développées. Et en France, c'est plus possible aujourd'hui de créer des sociétés tranquillement. Quand on est un créateur, en France, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, comme je connaissais la Russie et que j'ai rencontré ma femme, banco, on va en Russie. Donc, j'ai pris 10 000 dollars. Le reste, je garde pour ce que j'ai économisé, c'est pour ma retraite. Donc, je prends juste 10 000 dollars. Je passe un an à l'université pour apprendre le russe parce que je connaissais que quelques mots. Arrivé à 2 mois de la fin de mon année universitaire, on fait partie de la rumeur comme quoi je cherchais du travail. Le lendemain, j'ai deux chefs d'entreprise qui viennent me voir. Le surlendemain, j'avais déjà un contrat pour la fin de mes études. Je n'ai pas de diplôme, hein, je précise. Je suis un passionné d'informatique, mais j'ai zéro diplôme, je n'ai pas mon bac. Ici, on s'en moque. Hein. Ici, c'est vos compétences. L'âge, on s'en moque. Vos diplômes, on s'en moque. Si vous êtes compétent, vous avez du boulot demain. Et vous n'avez pas traversé la rue, on vient vous chercher. C'est même mieux que ce que Macron pense. Mais
Donc j'ai trouvé ce travail, j'ai travaillé quelques années, puis après j'ai démarré mes propres affaires. Alors c'est pareil, ici c'est beaucoup plus facile, savoir qu'ils sont très tolérants. Il y a une sorte de contrat moral entre le peuple et le gouvernement, c'est qu'on ne peut pas vous empêcher de gagner votre vie. C'est-à-dire ici les gens ne sont pas assistés, sont pas, il n'y a pas de RMI, de RSA, tout ça. Vous pouvez travailler au noir. Il y a même le salaire gris dans les entreprises, c'est-à-dire vous avez une partie déclarée et on vous donne une partie non déclarée. Mais vous pouvez, si vous êtes habile de vos mains, vous pouvez proposer vos services. Et en fait, ici, pour n'importe quoi, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va le faire et vous le payer. Et puis voilà, et cette personne ne déclare pas et gagne sa vie, hein, qui gagne très bien leur vie. Hein. Je ne connais pas beaucoup de coiffeurs qui déclarent leurs revenus ici. Ils font des salaires, ils ont des salaires supérieurs aux coiffeurs français. Mais pareil, c'est une autre vie, c'est une autre mentalité. C'est pas quelque chose que tout le monde. Ici, c'est 7 jours sur 7. Enfin, vous ne travaillez pas 7 jours, mais tout est ouvert le dimanche. Les commerces sont ouverts, les coiffeurs sont ouverts. Vous avez des coiffeurs qui travaillent jusqu'à 10 heures le soir. C'est-à-dire, vous sortez de votre boulot, vous pouvez aller vous faire couper les cheveux. Vous n'avez pas à faire la queue le samedi. Vous allez chez le coiffeur en France, vous allez chez le coiffeur le samedi. Alors, enfin, je parle pour les hommes. Vous avez déjà tous les retraités qui vont le samedi, alors qu'ils avaient le temps d'aller la semaine, mais ils vont le samedi chez le coiffeur, et vous, vous bossez la semaine, vous ne pouvez pas, donc vous avez de matin pour avoir le coiffeur. Donc c'est assez pénible. Sinon, vous allez. C'est pareil pour le restaurant. Le restaurant, ce n'est pas un service de midi à 2 heures. Ils ouvrent et ils servent en continu tout le temps. Et donc, vous n'avez pas. Les salles de restaurant sont vastes, parce qu'il y a l'espace, donc vous n'êtes pas serré avec vos voisins. C'est un autre état d'esprit. Et voilà, moi, j'ai démarré ma société ici, comme ça. Avec 3 francs 6 sous. Et après, ça a marché. Et bon, les choses ont évolué. Aujourd'hui, je paye mes impôts parce que je suis immigré ici. Bon, moi, j'aime à dire que je suis un invité. Un invité parce que quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous respectez les règles. C'est l'éducation. Donc, je suis un invité. Je n'ai pas à profiter du système. Que les Russes en profitent, oui, ils sont nés ici. Moi, je suis un invité. On me donne quelque chose. Il faut que je donne quelque chose. Et voilà, payer mes impôts, c'est aussi ma participation. Vous avez pensé à devenir russe, non? À avoir la double nationalité? La double nationalité est interdite. Bon, on peut le faire, hein, il y a une magouille. En fait, vous déclarez votre passeport français perdu, mais il n'est pas perdu. Voilà, enfin, voilà, il y a des astuces, mais c'est quelque chose que je peux faire, Ouais, il faut rester 10 ans en Russie pour avoir le droit. Après, vous passez encore un test de russe. Et ici, c'est très important. Vous avez un test de langue russe, un test d'histoire et un test de droit russe. Pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Si vous voulez, j'ai un titre de séjour, j'ai un passeport que je garde à vie. Il faut juste que chaque année, j'aille justifier que j'ai assez d'argent pour vivre. Assez d'argent pour vivre ici, c'est 2 400 euros par an. Si je justifie que j'ai 2 400 euros, là j'ai vendu une maison l'an dernier parce que j'ai déménagé. Rien que ce certificat de vente de maison, je peux vivre 10 ans ici sans avoir à justifier mes revenus. Parce que voilà, pour eux, j'ai acheté une maison à ce prix-là. Donc ça veut dire que j'ai les moyens de vivre aussi. Vous avez travaillé avec la France? Avec la France. Oui, dans votre société. En fait, non. Je n'ai pas mis les pieds en France depuis 10 ans, hein, depuis que je suis arrivé ici. Je n'ai pas remis les pieds en France, ça ne me manque pas. Au tout début, là, il n'y a qu'une chose qui manque, c'est un peu notre culture, c'est la nourriture. Mais c'est toujours un peu quand vous changez comme ça de pays. Ici, on est en Asie, c'est l'Asie centrale. Ce n'est pas la même chose. Après, il est vrai que les choses ont évolué. Il y a eu ce fameux embargo alimentaire décrété par Poutine, où après, il a vraiment alimenté l'industrie, il a fait développer l'industrie agroalimentaire russe jusqu'à obtenir l'autosuffisance. Et là, on s'est retrouvé avec des. On vit. Alors, certes, il y a des différences avec la France, mais on a des produits. Ils produisent un fromage, c'est du comté, du Morbier. Voilà, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la région était jumelée avec le Jura avant, hein, et ils ont appris ça à faire ça, et ils le font aujourd'hui. Et en termes de qualité, c'est pareil, par contre, c'est beaucoup moins cher. En fait, les sanctions sont là depuis 2014. Donc les façons de contourner les sanctions existent déjà. Il a juste fallu qu'ils fassent passer les textes de loi pour que les produits qui étaient partis de Russie ne soient plus taxés à l'importation. Et donc, ça a permis à tous ces gens qui avaient l'habitude déjà d'importer, entre guillemets, illégalement, enfin, illégalement pour les Américains et les Européens, par d'autres moyens, de mettre ce nouveau réseau en place.
Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai acheté un ordinateur Apple il y a 2 mois, alors qu'on n'a pas le droit d'en acheter. Je vais sur un site, je le commande, ça ne me revient pas plus cher qu'avant, et il me faut 15 jours pour le recevoir. Alors celui-là vient de Dubaï, en fait. D'accord. C'est stupide. Je ne sais pas qui est-ce qui réfléchit à ces trucs. Depuis 2014, on se contourne les sanctions. Moi, la Russie est au sein de la CEI, c'est comme l'Union européenne, c'est-à-dire il n'y a pas de frais de douane. Je peux aller au Kazakhstan, acheter quelque chose et revenir tranquillement. Quand même. Par exemple, pour les voitures, il y avait beaucoup de voitures françaises, par exemple, en Russie. Ah oui, alors c'est assez drôle en fait. Vous savez que Renault est parti, ils ont fait un accord. Ils ont vendu leurs usines pour 1 euro. Vous avez deux usines ici, pour 1 euro. Et avec la condition que s'ils revenaient dans 5 ans, ils rachetaient pour 1 euro plus les investissements qui avaient eu lieu durant ce temps, et avec, ils autorisaient à produire le Duster, Renault Duster, sous licence, parce que le Renault Duster était très populaire ici. Enfin, quand vous connaissez la Russie, c'est beaucoup de terrain sauvage, tout ça, et les Russes aiment bien aller en forêt, faire du hors-piste, donc le Duster était très populaire ici. Et donc les Russes ont repris ces usines, ils produisent, bon, il y en a une qui produisait déjà des Lada, Lada appartenait à Renault. Donc, et l'autre, en fait, ils ont ressuscité une ancienne marque russe qui produit des voitures qu'on appelle Moskvitch. Il y a la première voiture électrique qui existe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en finalement, Renault ne pourra jamais récupérer cette usine de Saint-Pétersbourg maintenant, parce que tout marche bien. Tout fonctionne bien sans les Français, il n'y a pas besoin d'eux. Et pour ce qui concerne les autres, BMW, les usines qu'avait BMW ou les autres Volkswagen, etc. Ce sont les Chinois qui ont repris ces usines et qui vendent leurs propres voitures ici. Alors ils sont très agressifs, hein. Ils proposent des taux de crédit à 0,01%, crédit total, hein. C'est-à-dire vous arrivez avec zéro et vous achetez votre voiture à 0,01%. Ils ont fait ça pour. Leur but, c'est d'envahir le marché du fait que les Européens ne pourront plus jamais revenir ici. Et globalement, c'est un peu ce qui va se passer, à part peut-être des gens comme McDonald's. McDonald's, ils ont fait. Voilà, globalement, c'est les faux départs, ce qu'on appelle les faux départs. C'est pour ça que Vladimir Poutine s'est fâché avec Danone récemment. C'est-à-dire, ils font croire dans les médias en Europe, oui, nous avons quitté la Russie, nous avons vendu nos actifs à la direction qui était en place. Mais la direction qui est en place, quand vous connaissez les gens, ils n'ont pas les moyens de racheter tout ça. En gros, ils ont fait des accords cachés, c'est-à-dire, vous prenez et on reviendra plus tard et on récupérera tout. C'est-à-dire, McDonald's, aujourd'hui, ça s'appelle Fkusna et Tochna. À part le Big Mac, parce qu'il y a une licence, et le McFlurry, parce que ça utilise des produits Mars, tout le reste, les noms sont différents, mais c'est exactement les mêmes choses, le même goût. Tout est exactement pareil. Ce qui fait que les gens continuent d'y aller, ça n'a pas changé. Et si McDonald's revient, ils reprennent exactement les mêmes restaurants, ils remettent leur enseigne. Et c'est reparti. Et Danone s'est fait passer comme ça. Un jour, Poutine, il a dit, ça suffit, les faux départs. Soit vous faites ça honnêtement, comme vous le dites, et vous annoncez pas aux Danone que vous êtes parti, et vous dites que vous êtes resté, mais que vous reviendrez. Soit on nationalise vos entreprises. Danone a voulu, et Carlsberg ont voulu jouer ce jeu-là. Ils se sont fait nationaliser leur entreprise. Et plus personne ne parle aujourd'hui. Tout le monde a peur. Ça, c'est vraiment la chose la plus stupide qui a pu avoir lieu avec cette histoire. Et vous revenez en France de temps à autre? Ah non, je veux dire, en 10 ans, je ne suis pas revenu, j'ai pourtant de la famille encore en France, hein, mais je suis réussi. C'est vraiment, j'ai trouvé dans ce pays vraiment ce que je recherchais. Normalement, il y a pas cette pression. C'est paradoxal, hein. On se sent plus libre ici qu'en France. Je vais vous expliquer juste un exemple. En France, si vous téléchargez des fichiers illégaux, vous êtes justiciable, vous pouvez être poursuivi. Ici, ce n'est pas de la responsabilité de l'utilisateur final, c'est la responsabilité de Roskomnadzor, enfin, c'est une autorité qui doit bloquer les sites ou des fournisseurs d'accès. Par exemple, les VPN ont été interdits. Si vous utilisez un VPN en tant qu'utilisateur final, vous ne serez pas jamais poursuivi, vous ne serez jamais embêté. C'est parce que ce n'est pas à vous à bloquer ça, c'est pas. On ne rend pas responsable l'utilisateur final. S'il y a une interdiction, c'est ceux qui contrôlent le réseau qui doivent le faire, ceux qui en profitent, ceux qui font de l'argent avec ça, qui doivent donner les interdictions. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on a des libertés. Il faut enfin, aujourd'hui, vous pouvez aller faire du camping sauvage où vous voulez. En France, c'est quasiment interdit. En plus, si vous trouvez des forêts qui ne sont pas privées,
Ici, c'est tout ce qui est public, ça appartient au peuple. Je veux dire, chez mes voisins, il y a une rangée de maisons. Derrière les maisons, on a une boulée, c'est un bois en fait de bouleau. Et entre le bois et les maisons, il y a une bande de terre qui est inoccupée. Et tous les voisins ont fait leur potager dans cette zone qui appartient à la ville, mais qui ne leur appartient pas. Personne ne leur dit rien, c'est toléré. Par contre, ils savent très bien que si un jour la ville a besoin de ce terrain, ils le rendront, mais il n'y aura jamais d'histoire. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup François de cet éclairage. Merci, On est quand Philippe. même de pas mal de kilomètres. Ah oui, voilà. Vous savez que vous êtes en France, vous êtes plus près de Moscou que moi, que je ne suis. Hein. Vous êtes à combien de Moscou? Je suis à plus de 3 000 km et Paris est à 2 600 km. Bon, merci beaucoup de votre Merci, éclairage. bonne journée, Philippe. À bientôt. Au revoir. Au revoir.